Un jour je serai le meilleur dresseur. Hey, salut les gamers, content de vous retrouver. Alors, on va mettre un petit peu d'ambiance sur Pokémon Go, mais effectivement, j'aurais voulu avoir ici de part et d'autre bah, des abonnés, des jeunes, des dresseurs, des followers, des viewers, des, bah, voilà, des geeks, quoi, des passionnés de Pokémon Go. Et pour ça, eh ben, j'ai un petit tour de magie. Regardez, on va faire apparaître tout de suite les personnes, les bonnes personnes, ici, avec moi. Pour vous, les dresseurs, ils sont pas beaux. Salut. Ouais. Voilà, donc ici on est à la fonderie de Douai, c'est juste à côté du conservatoire. Et je vous assure qu'ici il y a un spot incroyable. Hein, ouais. Les mecs, il y a un spot de Pokéstop. Et là, je vous dis, le soir, des fois il y a 80-100 personnes. C'est un truc de ouf et c'est très joli ici. Hein. C'est vraiment très 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 joli. Voilà, bref. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire? On voulait vous dire que bah, y a des passionnés comme moi, mais il y a surtout cette petite boîte, ça c'est. Je m'adresse à toi, David Lafarge. Regarde, il y a ici ton prénom. Arthur. Arthur, qui te suit, qui est fan de toi, oui. Et qui n'a pas ton adresse postale. Je pense que c'est une boîte postale, à mon avis. Donc si tu peux me le dire par SMS, et ouais, j'ai le numéro de David, j'ai de la chance, ou en DM sur Twitter. Et regarde, il va l'ouvrir. Il y a plein de choses pour toi, mon petit David. Voilà, il y a du coloriage, il y a des cartes, il y a des cadeaux. Il en fait tomber aussi. Et bah, on va pas tout révéler, hein. Il y a des bonnes choses. J'ai eu la boîte avant toi. Voilà. Donc, merci de laisser ton adresse en DM, je lui donnerai. Ou alors en SMS. Voilà. Merci, gros bisous les gamers. Et rendez-vous vendredi pour un... What's the Gamers ? Hey, c'est comme Mimi Mati. Voilà, me revoilà ici. Alors, on a quitté toute la bande là, de fifou, de dresseurs Pokémon. Je les vois quasiment tous les jours. Pour vous dire vous aurez des vidéos, ne vous inquiétez pas, sur Pokémon Go. Je vous ai un petit peu délaissé depuis plus d'un mois, hein, je crois un mois et demi. Bah, parce qu'il y avait les vacances, parce qu'il fait beau, alors je voulais m'aérer. Effectivement, je préfère être dehors, profiter de la vie, profiter de la famille, des amis, que de me réfugier sur un ordinateur et H24 faire des montages, c'est très long. Voilà, donc on va se remettre tout doucement, l'hiver arrive et les bonnes vidéos Pokémon Go arrivent pour vous dire que je suis level 27. Je fonce tout droit vers le level 28, là c'est pas facile, mais le level 28 arrive avec de belles surprises, des belles mises à jour. Voilà, on va vous faire tout ça, on va vous faire plaisir, c'est normal, vous êtes en attente et vous pourrez vous régaler dans quelques jours. En fait, je suis là pour brasser du vent, mais vendre du rêve aussi un petit peu. Merci de me suivre, merci de votre fidélité. Si vous avez des petits commentaires, des petites suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, mettez des petits likes. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut les gamers. Voilà, là ça c'est l'équipement parfait du dresseur. C'est quelle team? Bleu. La team bleue à sagesse comme moi. Alors ici, il y a des Magikarp. Hein. Là, on a un poteau, là. Salut. Et lui, il a un truc, franchement, je jalouse. Il a regardé ça. Il est allé au State, il y a combien de temps? Un mois et demi. Il y a un mois et demi. Il nous a récupéré ça qu'on n'aura jamais, nous, les dresseurs français, jamais on l'aura, celui-là. Regardez bien. Voilà. Et... ouais, salut. Ah, tu vois, voilà. Il a ça. Et ça, moi, je jalouse. Voilà, il a eu les États-Unis. C'est un collector. T'es allé aux États-Unis? Par contre, tu peux montrer celui qui a 120, que t'as récupéré le draco. Le... Ah oui, tu... Ah ouais, on va monter le monstre là. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce qu'il a eu. Il y a combien de temps que tu l'as vu ça? Il y a 2-3 jours. Deux jours. Dracolos 5742. Mais regardez les stats. Non, je l'ai pas encore fait. Regardez-moi donc, ça. Ici, que ce soit marqué 0. Entre laser 120 et draco souffle 6. Là, tu pourras. Ah là là. Yo, j'ai carrément oublié de vous dire, là je vous le dis maintenant, deux concours arrivent sur ma chaîne, vraiment sympatoche. Quand je dis sur ma chaîne, c'est que je vous en parle dans une vidéo, et je vous rapatrie avec un lien sur Twitter, puisque le concours proprement dit se passe sur Twitter, YouTube n'aime plus trop ça, il faudra me follow. C'est pour ça qu'il faut me suivre aussi sur Twitter, parce que vous êtes au courant de tout, et lorsque je rencontre des abonnés dans la rue, lorsqu'on fait des chasses et tout, ben, souvent je poste des vidéos à l'arrache, on va dire, mais vraiment sympa, c'est ça, l'improviste et le fun est au rendez-vous, c'est sur Twitter, voilà, quasiment H24, soyez au rendez-vous, je dirais que c'est mieux que YouTube, parce que maintenant, grâce...
à l'upload des vidéos que Twitter nous autorise à faire, eh bien, on est au courant de tout. Voilà. Aussi, mon David Lafarge, on s'est parlé là récemment, et on va essayer de s'organiser, je sais que c'est pas facile, David Lafarge et moi, et puis sa chérie, puis d'autres, et puis vous tous, avec une chasse Pokémon sur Paris ou dans un parc, on verra un petit truc sympatoche. J'attends ça avec impatience. Alors, il a un agenda de ministre, parfois moi aussi, même souvent, donc ça va être compliqué, mais on va y arriver, et les vidéos arrivent, bien sûr. Allez les dresseurs, salut! Vive Pokémon Go! Ciao!